Ok, salut les gars, voilà. Donc, je fais cette petite vidéo là pour ceux qui arrivent en Russie, pour ceux qui viennent pour étudier, voilà. Donc, ceux qui m'ont posé la question à savoir combien est-ce qu'on peut dépenser ici par semaine ou bien le mois, voilà. Moi, je vais faire, je vais essayer d'utiliser pour la semaine, comme ça vous-même vous allez faire le calcul pour le mois et pour l'année. Voilà, donc, ici par exemple. Ici, par exemple, si vous avez bien remarqué, j'ai d'abord acheté, par exemple, ça. Voilà, ça, c'est de la pomme, vous voyez. Voilà. Et la pomme, je l'ai trouvée ici. Vous voyez là. Ça, c'est 149. Donc, si vous voyez, par exemple, j'ai déjà fait une vidéo comme ça. Si vous voyez 149, on va arrondir ça. Pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, voilà, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent en Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, 149, si on doit faire par exemple une estimation, on va faire 1 rouble à 10 francs CFA, vous voyez. On va faire 1 rouble à 10 francs CFA, donc ça veut dire que 149, ça fait 1490. Donc je viens de prendre ça, 1490. Vous-même, vous allez voir combien est-ce que je dépense et tout. Voilà, pour ne pas que vous veniez et puis vous soyez un peu dans l'embarras, vous soyez un peu dans une ignorance parce que vous venez, vous êtes nouveau, donc vous devez mieux vous organiser pour ne pas être surpris. Voilà, donc j'ai pris 149, bon, donc vous calculez avec moi comme ça, on va faire le marché ensemble. Voilà, donc là par exemple vous pouvez prendre comme ça, vous pouvez prendre comme ça. Donc là, vous pouvez prendre comme ça des poulets, vous voyez là. Donc, soit vous prenez ce qui est là. Voilà, ça c'est 1750. Donc, moi je vais prendre ce qui est un peu moins. Voilà, et vous devez faire la différence. Lorsque vous voyez et que c'est un peu jaune comme ça, ça veut dire que c'est sous forme de réduction. Voilà, ça sont des réductions. Lorsque c'est jaune, ce sont des réductions. Lorsque c'est en blanc, là, ça c'est le vrai prix, vous voyez. Donc moi je vais choisir peut-être ici, moi j'ai déjà du poulet à la maison, donc moi je vais prendre de la dinde. Voilà, donc moi je vais là. Ok, donc sinon pour vous, voilà, lorsque vous venez, vous voyez ça, c'est le poulet, vous pouvez prendre ça par rapport à votre gain, à ce que vous avez pour le mois et tout ça. Voilà, donc ici moi je vais prendre comme ça. Ça c'est de la dinde, vous voyez, ça c'est de la dinde je crois. Voilà, et il y a assez de porc ici, donc pour ceux qui aiment le porc, vous pouvez voir un peu le porc partout. Donc moi je vais prendre ceci, voilà. Et donc vous pouvez calculer, donc ça fait déjà 149, donc ça fait déjà 149 plus 100 plus 200, combien, 209. Voilà, donc essayez de voir ça comme ça. Et là, ici je viens là, je vais comme ça essayer de. Ok, donc on y va. Donc ça par exemple pour le matin, pour ceux qui aiment vraiment le café, pour le matin vous pouvez prendre ça. Voilà, mais moi je ne prends pas le café le matin, donc moi je ne prends pas ça. Voilà, donc ou bien vous pouvez prendre ça, moi je prends ce qui est là. Donc ici par exemple, moi je vais pas prendre ici, voilà, mais néanmoins je peux prendre ça un instant. Sinon il y a un autre endroit, donc vous voyez là, ça vous pouvez prendre pour la semaine ou bien vous faites ce que vous voulez. Donc moi je prends ça, donc ça c'est combien, ça c'est 94, donc ça fait 940. Ok, donc je prends ça. Donc considérez que c'est pour une seule personne, n'oubliez pas, c'est très important. Ok, après ça je vais chercher comme ça dans la partie en ce qui concerne les aliments de force. Voilà, les aliments de force. Ok, pour les aliments de force, on va essayer comme ça. On y va là.
pouvez prendre le riz, voilà, ou bien le couscous. Moi, je ne mange pas vraiment du riz, voilà, c'est un peu compliqué pour moi de manger le riz. Donc, vous voyez le riz qui est là, vous pouvez prendre ça, c'est 109. 109, ça fait 1090 francs CFA, mais moi, je ne mange pas vraiment le riz. Donc, moi, quand je viens, je prends du couscous. Voyons voir s'il y a du couscous, voilà, ça c'est le couscous. Ici, c'est 119, vous voyez. Voilà, mais lorsque moi j'étais arrivé ici, moi je ne mangeais pas ça, voilà, parce que voilà, on ne travaillait pas, on ne faisait pas grand chose, donc moi je ne mangeais pas ça. Moi je prenais du manka, ou ouais, du manka. Je vais vous montrer le manka pert qui est passé. Voilà, moi je prenais ça, vous voyez, moi je prenais ce qui est là, et ce qui est là, c'est hyper moins cher, c'est 440. Je peux faire peut-être le mois même avec ça. Ça, le manka, ce sont les Congolais qui utilisent ça beaucoup, mais moi je prenais ça aussi. Il pouvait faire le mois avec, voilà. Donc ne vous embrouillez pas la tête. Donc, mais aujourd'hui, voilà, avec les petits trucs qu'on fait tout autour, dans les petits gourmands, cette fois-ci on peut manger ça, ce n'est pas un problème. Donc je prends ça, et après ça vous pouvez ajouter aussi ce qui est là, des macaronis. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment voir la vidéo dès le début, vous pouvez déjà voir, j'ai déjà fait des vidéos à l'ancienne, donc vous pouvez déjà voir cela. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, bon, ça ce qui est là, j'ai déjà acheté ça et ça, donc je vais aller prendre un peu de ok, j'ai déjà ces éléments là, je vais prendre aussi. Donc n'oubliez pas le roublon, je mets le roublon à 10, donc pour faciliter un peu les calculs. Donc vous pouvez noter déjà tout ce que je prends, comme ça va vous arranger. De toute façon, moi à la fin je vais prendre le reçu déjà là bas donc je vais pas vraiment noter tout ça. Alors je vais prendre par exemple ça, c'est pour le poisson, pas ça. Je vais prendre par exemple, donc n'oubliez pas, si vous voulez vraiment faire un petit marché, essayez de prendre comme ça du poulet, voilà, et du manka si vous n'avez pas assez d'argent, ou bien du riz, voilà, si vous aimez le riz. Moi je ne mange pas vraiment le riz, c'est pourquoi je n'arrive pas vraiment à prendre cela. Voilà, ici je cherche l'arôme que je prenais auparavant, mais je me dis que c'est fini, voilà. Donc si c'est fini, alors je vais prendre pour le poulet ici, donc je vais prendre un seulement. Donc ça c'est 35, c'est 350, voilà. Et donc si par exemple vous n'aimez pas vraiment votre couscous, vous pouvez déjà essayer d'utiliser comme ça le riz, ou bien le manka, c'est hyper moins cher. Pour ceux vraiment qui veulent comme ça dépenser moins, je vous le dis, vous devez dépenser moins parce que vous venez juste d'arriver, donc dépenser moins, c'est assez important, parce que vous ne savez pas encore ce qui va se passer. Même si vous êtes boursier ou pas, essayez de dépenser moins, c'est hyper important. Ok, donc je vais prendre ça. Ok, donc là, je crois que c'est pas encore fini. Je vais aussi prendre quoi. J'ai déjà de l'huile à la maison et tout. Sinon, vous pouvez prendre de l'huile ici. L'huile peut vous faire, par exemple, pour le mois, bien sûr. Je vais vous montrer le prix de l'huile pour le mois. Ok, donc pour le mois par exemple, l'huile peut vous revenir, ça c'est la meilleure qualité, vous voyez. Et si vous voulez le plus petit, 590, ou bien ce que vous allez prendre
à chaque instant, ça sera celui-là, 69. Ça aussi, c'est un peu bien, voilà, mais c'est la qualité qui diffère. Vous voyez, ça, c'est la qualité que vous devez mesurer. Si vous voulez mesurer la qualité, voilà, vous allez prendre ce qui est là ou ce qui est là. Ça, ce sont les meilleures qualités, mais si vous venez juste d'arriver, vous pouvez prendre ça, ce n'est pas un problème. C'est identique, voilà, donc ne vous embrouillez pas pour ça. Alors, moi, j'ai déjà de l'huile à la maison, donc je ne vais pas me fatiguer pour ça. Ok, on y va. Donc, et ici, ce sont des œufs. Vous voyez, ça c'est 520. Donc, moi je prends 520. Ça, ce que je prends, c'est pour la semaine. Ce que je prends là, c'est pour la semaine. Donc, si vous faites, si vous essayez de compter, vous pouvez, ce que je dis, vous pouvez réduire vraiment les charges parce que. Voilà, actuellement, je suis en train de manger ce que je peux, ce que je veux. Sinon, lorsque on était arrivé, on ne pouvait pas manger ce qu'on voulait. Voilà, parce qu'on ne savait pas vraiment comment ça se passait, comment ça se déroulait ici. Voilà, donc on essayait de dépenser moins pour ne pas vraiment être surpris. Voilà, donc, je crois que ça va. J'ai déjà quelques éléments à la maison. J'ai déjà l'huile, j'ai déjà les tomates, j'ai déjà... tous les éléments, voilà, donc je crois que là ça va, donc je vais pas vraiment me fatiguer avec ça, donc je crois que c'est bon. Maintenant je vais aller à la caisse et puis voir combien ça va me coûter et tout ça. Ok, donc maintenant là je rentre et voilà, donc en tout j'ai dépensé 941, c'est 941, ouais, ça fait 9410. Voilà, donc ça c'est pour la semaine, et même si c'est pas la semaine, ça fait faire au moins minimum 5 jours. Voilà, donc y compris que j'ai déjà des éléments à la maison, donc ça peut vraiment tenir jusqu'à une semaine. Donc les gars, c'est un peu ça. Donc vous venez, vous faites bien vos calculs et puis vous essayez de vivre avec. Voilà, donc ne regardez pas les autres pour vivre, c'est assez important.